essai donc du Team Magic avec un autre moteur, donc un 4082 Léopard 1600 kV et un pignon de 12. Je vous rappelle qu'il est vendu avec un 2500 kV et un pignon de 17. Et regarde ce qu'on a là avec un kV aussi faible et un pignon aussi petit. Regarde ce qu'on a comme vitesse de pointe, mon ami. Et là, franchement, c'est une bête. Là, on rigole plus. Il fait quasiment des winnings. Alors, il peut, je pense, aller jusqu'au pignon de 11. Franchement, t'imagines ce petit truc là, j'ai regardé, ça fait les roues là, elles font quasiment le diamètre de roue FG. un petit carré de route spécifique. Et on est parti mon ami sur le on-road. On a 8ème, 5ème. Ouais, alors là c'est vraiment fun. Ça a une patate mon ami. Alors ok, le moteur il est plus long, plus de couple. Hein, je vous ai dit, j'ai essayé rapidement dans la rue avec un pignon de 14 en 6S. Et bien il faisait des wheelings mon ami. C'est de la pure folie. À côté, le SC8, c'est un truc pour débutants, quoi. Clairement, c'est incroyable. Alors, on est assez souple sur les suspects, tu vois. Donc là, du coup, par rapport au premier essai, olé, on a... On a mis la barre anti-stab arrière et vu la puissance qu'il a, le bazar là, on a mis aussi remis le renfort central où il manquait une vis. Ce truc est juste démoniaque. Bon après il a pas ses roues là, hein, d'origine, il a les roues plus étroites, donc ça doit quand même moins tracter. Et en plus, les roues d'origine sont, il me semble, plus petites, plus grandes encore. Donc t'imagines là. T'imagines, attends, mais là on est bien. Là, pignon de 12, on a de la gouache. Alors clairement, c'est pas à mettre en toutes les mains. Parce que là, par contre, ça rigole pas. Et ces pneus là, les Badlands, ils font merveille sur le sable. Et t'as vu comment ça le contrôle ça? T'as vu que le contrôle? Il va y aller quand même dans l'eau, hein, je vous le dis. C'est sûr. La fois le moyen il y est passé. Hein. Yep là. Non, c'est la démultiplication de ce bazar est juste démentielle. Simplement démentielle. C'est ça aussi qui est bien avec Yungfa. Une fois qu'on a goûté aux huiles dures, s'il vous plaît, messieurs, essayez juste une fois de rajouter un zéro à vos huiles. Faites pas les feignants ou les gens, il faut mettre comme ça, ça marche comme ça. Faites, s'il vous plaît. Wow, t'as vu ce putain la vache. Faites pas les feignants, essayez. Un petit 50. Le moteur est un petit 50.
Bon, après, en même temps, je ne déménage pas, hein, ça c'est sûr. Putain, il a... T'es pignon de 11, je vais lui mettre un pignon de 11 si ça continue. Hein. Bon, triste. Donc je disais, mes huiles de diff sont, bah, sont dures, hein, comme d'habitude. Ça m'a... Oh, et la, la chatte à Momo. Oh putain. Et donc oui, essayez, faites-moi plaisir. Essayez toutes les apôtres des... des huiles d'olive et des huiles de tournesol. Essayez en bâche, voilà. Alors effectivement, peut-être que en circuit ou tout accroche, moquette, machin, t'as pas besoin d'être aussi dur. Mais en bâche, mon Dieu, mais tu arrives à... Tu tractionnes sur n'importe quoi, c'est ça qui est excellent. Là, si tu viens... Là, si tu essaies avec des diffs, là, t'es en thermique, là, au niveau de l'accélération. Hein. Pardon, excusez-moi. Oh là là, non, mais je vais lui mettre le pignon 11. Non, mais sérieusement. Enfin, je veux dire... Regarde ça. Là, t'es à 80, quoi. T'es à 70-80, mais facile. Incroyable. Je vais faire un passage. Là, j'ai quand même, je suis plus l'hypo neuve. On est bien d'accord. Allez, passage. C'est incroyable. 1600 kV, pignon de 12. T'es encore à 6S. Bon, d'accord, 6S. Ok, mais on partait quand même de 2200 kV. Pignon de... Je sais plus combien, pignon de 17. Oui. Oh yeah. Attends. Donc celui-là, je pense qu'il va rester quand même quelques temps dans la famille. Mais clairement, ça va être celui de papa parce que il va bien trop vite. Même un pignon de 11, tu vas baisser, allez, 5-6 km/h. Mais bon, je vais le mettre. C'est vrai que c'est... Il y a trop. Quoi, il y a trop. Après, je vais aller quand je vais aller. Quand je vais aller dans la prairie, il n'y aura plus assez. Alors on profite comme c'est une des... Hop là. On va essayer de faire un pack entier. Là je l'ai baissé, donc c'est vrai qu'il est quand même plutôt à l'aise. Mais il se retourne pas. Bon, là on est à la 60. Les lipos. Bon, le baril, ça va. Le lipo, ça va, c'est tiède. Non, on va mettre le pignon de 11. Définitivement. Parce que voilà, parce que c'est pas humain ce truc là. Petit orage, viens-tu. Oh, quel contrôle. Quel contrôle, mes amis. Ah, coupure. Alors, hop, on se regarde, on fait 10 minutes. Ouais,
Bon, après, j'ai fait des gros allers-retours, bien à fond à chaque fois. On fait 10 minutes. On va mettre le pignon le 11, hein. Hein. Donc voilà. Attends, je vous montre juste qu'est-ce que ça a comme gueule. Pour ceux qui n'ont pas vu. Donc la config 6S, ça donne ça. Voilà. Le gros bébé 4082 1600 kV, le pignon de 12 Intraxas qui sont très très bien, pas très chers, 5 euros. La lipo, elles sont à 30 degrés. Non, elles sont 30 degrés. Lui, il a un bon 60. Ouais. Bon, ben on va mettre le pignon de 11. Hein. Je pense qu'on est pas mal parce que c'est vrai que 10 minutes. Bon, après on a bloc. C'est pas mal. On va essayer de remettre ça et mettre pignon de 11. Allez, à plus!